Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Let's Play sur Total War Warhammer 2. On continue notre petite campagne avec Ungrim et on allait attaquer le château de Templehof que vous voyez ici. Je vois que eux se rassemblent pas mal aussi, donc j'ai intérêt à tomber très vite sur le château avant que le Talabekland par exemple ne le prenne. Ils ont réussi à le prendre, mais c'est pas possible. Et je me fais défoncer chaque fois d'un tour. C'est un truc de fou. Bon bah du coup je vais déclarer la guerre à des voisins. Des voisins quoi. Deux fois je me fais fumer des terres. Et que je suis peut-être pas en paix, mais bon, il y a une grosse armée, donc c'est un peu compliqué de l'attaquer, je pense. Je mérite de jeter un œil, même. Je vais avoir sûrement une rébellion aussi. Plus, ouais, j'en ai une. Oh, où est-ce qu'elle est, la rébellion? C'est qui, eux? Oh, c'est les Sufbar ou est-ce qu'elle est la rébellion? Pas de rébellion, moi. Allez, où la rébellion? Je ne la vois nulle part. Allez, Sigmar, c'est ça. Y a pas de garnison. Il y a plein de brèches. Quel est mon état avec eux? J'ai pas de traité. Ok, bon, en plus c'est pas sympa. Donc on va peut-être pas changer de plan. Bon, où ces gens-là? Ils sont où ces gens-là? À part ça, je vois pas trop. Le gars, il est venu comme ça, il a pris un truc, comme ça, en passant. J'ai dit, tiens, c'est joli, on va le prendre. Ah, c'est que lui, il a quand même mieux équipé que moi. Moi, j'ai quand même pris cher, très cher, en fait, dans l'ensemble. J'ai pas au mieux une top de ma forme. C'est ça qui m'embête le plus dans l'histoire. Ce que je vais faire, je pense que je vais me contenter d'attaquer Waldenhof. Et sera ici pour essayer de peut-être me protéger un petit peu. Puis ça, je prendrai au moment où il y aura une opportunité qui va se présenter. C'est embêtant parce que j'aimerais bien. Mais les troupes sont fraîches. Presque full. Même si ce sont des humains. Hein. Et on ne sait pas ce qu'il y a ici. Et moi, je suis quand même bien entamé de partout. Je suis loin d'être au meilleur de ma forme. Très très embêtant évidemment. Ce que je vais faire déjà c'est... On va la jouer comme ça. Hein. Apporte tes troupes. Ah, t'es trop loin. J'ai déjà bougé. J'ai des points de compétence à filer. Qu'est-ce que je peux bien lui donner?
Ruine de la colère, la ruine cause des dégâts aux combattants. Qu'est-ce qu'on peut multiplier dans les barres? On va faire prendre ça. Je vais le mettre en mode campement. Tu veux peut-être le faire du coup? Non, tu peux plus. Plus là, je récupérerai un peu de troupes. Ce que je vais faire, ouais, je vais rejoindre et puis je vais attaquer le château Templeof. Je vais garder mon idée. On verra pour la suite après. Pas évident hein, comme situation. D'une façon ou d'une autre, je vais devoir trahir quelqu'un. Mais eux sont pas mes alliés. Là, eux. Un peu marre de me faire piquer les trucs juste devant mon nez. Que c'est long, que c'est long. À mon avis, au mois prochain, on va s'intéresser aussi à Edge of Wonder Planetfall. Will you join me, men of the Empire, in finding death, me demande quoi? Dans la background, on me demande quoi? Non, non, non. Mais les gars, si en plus vous me laissez le... Le truc là. Ouh, ça va faire des problèmes ça. On est parti où? On fait défoncer? Là, il n'y a plus de défense normalement. Je pense pas qu'il y ait une garnison. Ok, il est de retour, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est ça. Il y a un peu de garnison. Et les murs sont pas au top. Et l'armée, je sais pas où elle est passée. Bon, s'il y a de la défense, de toute façon, ça ne changera rien pour moi, du coup. Non, juste ça. Mets pas, je t'en veux. Un comme ça. Toi et toi. Voilà. Fais en marche forcée. Si tu y arrives, non, c'est trop loin. Dommage. En normal. Tu y arrives? Oui, tu y arrives. Bon bah, à la guerre. Allez, je pensais que j'étais à 10 portées. Ah, bref. Du coup, je suis pas du tout à portée. Ça m'a fait de rester en... Campement. Ah, nice. C'est bon. C'est pas comme je le prévois, j'ai quoi. Alors, Cadrine, il y a quelque chose à faire là-bas. Dada. Ici. Dada. Eh bien, on va passer le tour et on va attaquer directement derrière.
Comme alors, évidemment, mes intentions sont floutées, donc si l'armée est dans le coin, elle va revenir vite, fils ça. Et qu'il ne m'arrange pas. Les Bretons, Bordeaux, Gascogne, les Affibains. Allez, plus vite. Je suis curieux de voir ce qui va se passer avec Calavecland. Va prendre mon château, toi. T'es pas content. J'ai cru qu'il allait me prendre, c'est. Mais là, je serais tombé dessus. Hein. Ali ou pas Ali? Ah, t'as avec toi, je crois qu'il a plus que ça, en fait, donc en soi. Ça va être bien dangereux. Qu'est-ce qu'il y a comme faction? J'ai l'impression qu'il en va se rajouter chaque tour. Allez. Voilà, les présages sont mauvais, vous avez fait quelque chose qui a mis les légions en colère, pourtant ils sont volages, ils vous pardonneront avec le temps ou un apaisement immédiat. Ordre public plus 4, sinon. Ouais, bah. J'ai besoin de mon ordre public donc. C'est parti. On n'attend pas, on attaque. On n'a pas le loisir du tout d'attendre. La garnison totalement affaiblie. Ouais, être une formalité. Alors, voyons les murs, je vois des trous dedans. Je vois pas un seul trou. Donc, bah on va ouvrir une porte. Hein. Alors, toi, tu te mets au milieu de tes gars. Mon but c'est de faire mal. Oh, tu te mets au milieu des gars un peu plus costauds. Et puis il n'a pas pris les autres. Et vous trois, vous pouvez aller par là. Un flanc pendant que tout ce brave monde là mais ici vous tirez là-dedans les coups les gars. C'est parti. À l'assaut.
Ça tire de partout là-bas, là ça va monter. Et la porte ça donne quoi? Parce que cassé. Et 5 secondes. Voilà. Ça va pas faire long feu cette histoire. On est déjà en train de monter sur les remparts en plus un peu partout. On va essayer ce truc, tiens, j'ai pas encore essayé. Bon bah je crois que ça va très rapidement finir cette histoire. On est déjà passé ici. Et y'a encore une unité là, va foncer dedans les gars. Voilà pour ici. Je vais partir en haut, d'accord. Il veut. Tout serré là. Ok, bon, bah ici je crois qu'on a à peu près tout chopé. Mais ils n'ont toujours pas craqué, d'accord. Bon, on va en ville alors, s'ils veulent pas craquer. Allez, on attaque ceux-là, on les enserre, et ils vont. Je vois pas pourquoi ils résistent encore, voilà, il disait bien. Et donc on a chopé les deux bastions morts vivants, enfin, contre vampire. Allez, vas-y. On occupe, bien évidemment. Gagne objet enchanté, l'autre badine du trompeur. Effective, ça fait quoi ça? Autour de soi, fait que les ennemis apportent moins 2% de résistance à la magie. Ouais, bon, pas très pratique dans le cas d'un main, mais ça crée objet. Bon, ici on va pouvoir récupérer tranquille. Il n'y a absolument rien dans la ville, quoi. Tout faire. Quoi ça? Un spécial? Non. Pas un seul bâtiment spécial là-dedans. Je suis triste. Des bûcherons, quoi, mais bon. Bon, on a fait ce qu'on voulait faire, donc ici reste 2 tours. Et on a quoi des améliorations ici? Et ben vas-y, fais-le. On va pas s'en priver. Une grille c'est fait. Point de compétence à donner. Lim. Est-ce qu'on peut bien lui donner? Alors, pas déjà ça. Pauvre verte, on l'est pas pour le moment, donc c'est un peu con de le mettre là-dedans.
Ça c'est fait. Niveau 12 pour celui-là. En 13. 8. 8. Peut-être que le rentre commandement ça peut être pratique. Je vais prendre ça. Yes. Ok, si on est en mode récupération, toi, t'as bougé tout, tu peux te mettre en ville. Et bah, tu seras pas tout de suite, mais moi tu peux récupérer un peu. Bref, Shadow Dragon of Dire, ça donne quoi? La corruption remonte. Vite, vite. Là, je peux plus prendre balle de l'offre pour mettre les 10 sur la corruption, mais ça sera pour le prochain objectif. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode-ci. C'était un épisode un peu intéressant que celui d'avant-hier. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était MacDash, et on se retrouve dans 2 jours pour la suite de notre campagne. À la prochaine, ciao ciao!